Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play de Mass Effect sur PC. La dernière fois, on s'est arrêté en plein dans l'ascenseur et on reprend tout de suite en plein dans l'ascenseur. Oh là là, c'est magique. Je gagerais que c'est le centre de commande du complexe tout entier. Les troupes de Saren ont certainement scellé les portes d'ici quand il est entré. Donc j'espère que vous allez bien, vous péter la fin parce que comment désactiver le verrouillage de sécurité si nous voulons pénétrer un jour dans ce bunker. Oui. Bête à armature, il faut que j'aille tout au fond, ok. C'est pas aussi dur que je pensais. C'est assez simple même. Ça aurait été trop simple sinon. Bon. On a toujours pas vu Gat Prime d'ailleurs. Enfin, vous ne l'avez pas vu. Moi j'en ai déjà vu. Ils sont vraiment résistants. Heureusement qu'il n'y en a pas des centaines. Hein. Il me reste combien? Il me reste 83. Je vais les convertir. On va tout prendre. Hein. C'est mieux pour nous. Parce que ça sent le gros fight. Hein. Comment je monte dans la salle de contrôle ? Ah, par là. Dépêchons-nous. Saren a déjà une avance conséquente. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé. Dans ce cas, c'est un risque qu'il nous faut. Un instant, il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible de... On dira un message. Du protéin, sans doute. Cet enregistrement doit être vieux de 50 000 ans. Il est normal que nous ne puissions le comprendre. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui! Entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéen a certainement été implantée dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouvez refuge. Derrière des archives. Que dit le message? Vous comprenez quelque chose? Les moissonneurs. La citadelle. Saint espoir. Acte désespéré. Le canal. Tout est perdu. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Impossible à arrêter. Ok, ben on va plus loin alors. Nous ne devrions pas être ici. Ni nous, ni les guettes, ni Saren, personne. Attendez, je peux encore monter. J'avais pas vu que je pouvais encore monter. Mais y'a rien en haut. Ça sert à quoi? À rien? Ok. Pourquoi pas? On va descendre et on va... On va aller à l'endroit. Aïe, on dirait qu'il m'a mis un petit drapeau pour m'indiquer où je dois aller. Comme petit mignon. C'est tout manière. Mignon, mignon. Merci, Mélon, merci, je savais déjà où aller. Bitch, please. Un infanfeur. Il accélère, non, il va trop vite. Le trio de choc. C'est déjà ouvert.
J'ai ouvert le canal ou pas? Ah ouais. Ok, y a plus de son. Je fais bugger le son. Je suis fort. Toujours un bug dans les jeux. Hein. Toujours. Je fais tout bugger. Sniff. C'est tout au fond. Au fond. Est-ce que j'y vais en véhicule? Please, y a rien ici. J'ai passé ma vie à étudier les protéines, mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Et pourtant, t'es déjà allé sur Ilos, hein. C'était le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'ils pourraient renfermer. Hé, hey, rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Saren, le canal, le sort de toute la galaxie. Je suis désolée. J'ai été prise de court par les événements. J'espère simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail quand nous en aurons terminé. Je pensais que Saren, qu'y a-t-il là sur nous? On dirait des modules de stase. Les protéins ont probablement tenté de survivre. Ah, il y a du monde en face. Là, j'ai combien de... Ouais, j'ai encore 5 millions sur moi, c'est n'importe quoi. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le canal? Ah quoi? Déjà, est-ce que le canal c'est matériel? Ou immatériel? Que se passe-t-il? C'est un piège! Saren nous a tendu une embuscade! Je ne pense pas que Saren soit mêlé à tout ça. Ok, allons-y. Si seulement je pouvais examiner tout ça. J'étudie les protéines depuis des décennies, mais je n'ai encore jamais rien ressenti de pareil. Je me demande ce que nous allons... Je n'en sais rien, mais soyez prudente. Ce n'est pas un simple piège automatique, sinon Saren l'aurait déclenché. Le vigile. Vous n'êtes pas protéen, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. Dirait une sorte d'IV. Elle a l'air en piteux état. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable! Une authentique IV protéenne, et j'arrive à la comprendre. En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici. Mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne sera sûr. Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle? Je suis un système d'analyse non organique évolué, pourvu de l'empreinte de personnalité de Xadishan, surveillant en chef du centre de recherche d'Ilos. Pourquoi me faire venir ici? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre, ou vous répéterez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre, et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique, communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation.
Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle ? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques, inoffensifs en apparence. Ah, d'accord. Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie. Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle. Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs. Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme ? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. Peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stase prolongée pour économiser leur énergie. Ils seraient ainsi en mesure de survivre aux millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique. Mais dans cet état, ils sont vulnérables. En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident. Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle. Une seule attaque, et les moissonneurs... C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde. La guerre était perdue. Nous n'avons jamais reçu la moindre demande de capitulation. Notre ennemi avait un seul objectif. L'anéantissement de toute vie organique est grâce à la citadelle. Les moissonneurs avaient accès à toutes nos... Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes, ces serviteurs endoctrinés, sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéens en quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'au dernier protéen de la galaxie. Ils étaient implacables. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs ? Le monde avait été pillé, rançonné par... Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite. Les moissonneurs sont donc retournés dans la toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu. Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés. Ces derniers, coquilles vides... Incapables de raisonner, sont vite morts de faim ou de froid. Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent ? Pourquoi répéter éternellement ? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de... Mais finalement, est-ce bien important ? Votre survie dépend de votre capacité à... Vous avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur Ilos. C'était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature. Le canal n'est pas une arme. C'est une porte dérobée. Que s'est-il passé ? Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe, mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs. Vous auriez dû vous battre. Nous étions quelques centaines face à une flotte d'invasion galactique. Notre seul espoir était de... J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai... Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie... Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés. Vous étiez programmé pour... Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence. Je parie qu'ils se sont bien gardés d'en parler au personnel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'... À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéins. Ils n'étaient qu'une... Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici. Pourquoi Saren et ses... Parce qu'il lui donnera accès à la citadelle et les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs. Après des dizaines d'années de recherche,
Les scientifiques ont découvert un moyen. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren doit avoir un plan pour... Celui que vous appelez Saren utilisera le canal pour franchir les défenses de la citadelle. Une fois à l'intérieur, il transférera le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Est-ce qu'il existe un moyen de les arrêter ? Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez... Il corrompra les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle ? Empruntez le canal. Suivez Saren. Il vous mènera à destination. Si les moissonneurs sont prisonniers... On peut penser qu'après chaque extermination, les moissonneurs laissent comme ses congénères dans l'abîme. Sovereign a sans doute passé la majeure partie des 50 derniers millénaires tout en gardant son existence secrète. Il devait évaluer l'état de la civilisation galactique. Mais cette fois-ci, le signal a échoué. Les veilleurs n'ont pas répondu. Les alliés de Sovereign étaient pris au piège dans l'abîme. C'était à lui. Sovereign est le plus gros vaisseau de la galaxie. Pourquoi tout ça ? Parce que Sovereign n'est pas invincible. En révélant sa véritable nature, il aurait lié... Mais les moissonneurs sont patients. Ils ne se précipitent pas dans l'inconnu. Sovereign devait échafauder son plan depuis des siècles. Lentement, il a dénoué le fil du mystère, en utilisant des agents pour demeurer cachés. Sa reine, à présent, Sovereign s'est enhardi. Par excès de confiance ou par désespoir, je ne saurais dire. Mais il est déterminé. Et les balises ? À l'apogée de notre civilisation, les balises couvraient toute la surface de notre empire. Elles ont été quasiment toutes détruites pendant l'invasion. Mais une fois les moissonneurs partis, nous savions qu'il était peu probable de trouver d'autres survivants. Mais si certains avaient survécu, nous voulions leur faire connaître l'existence. Vous auriez pu révéler... En vérité, nous pensions qu'aucune balise ne serait encore en état de marche. Mais il nous fallait néanmoins essayer. Le message était à destination de notre peuple. Il était codé afin que seules des créatures organiques soient capables de l'interpréter. Nous étions loin de nous douter qu'il pourrait conduire un agent des machines comme Saren jusqu'à ce monde. Mais vous l'y avez suivi. Peut-être n'avons-nous pas échoué. Donc, quand les moissonneurs ont créé la citadelle, ils ont également créé les veilleurs. On peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement ou que les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants. Mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens. Quand les protéins ont modifié les signaux de la citadelle, ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les veilleurs. Ils sont même... Sovereign a dû comprendre c'est que... C'est en effet plausible. Les veilleurs ont évolué de façon inattendue. Les serviteurs non organiques comme les guettes sont beaucoup plus prévisibles. Qu'est-il arrivé aux... Ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain. Shepard, vous en êtes certaine ? Qui sait combien de temps encore Vigil sera ici ? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des protéens. C'est l'opportunité de toute une vie. Il a peut-être des informations. Je vous fournirai toutes les informations possibles. Cependant, mes banques de données se limitent aux informations concernant l'invasion. Celui que vous nommez ça... Ok. Sauvez la citadelle. Ok, ben... Il y a eu quelques dialogues et là je pense que ça va être la fin. Malgré tout leur savoir et leur technologie, les protéins n'ont rien pu faire contre les moissonneurs. Ils ont échoué. Comme mon peuple. Mais ils nous ont aussi donné une chance de résister. Ne traînons pas. Allez. Autre sens. Allez, go, 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 go. Nous allons finir le jeu, mesdames et messieurs. Et pas dans cette vidéo. Mais nous allons finir dans la prochaine, je crois.
Allons-y. Quand ils font pour aller plus vite que moi alors qu'ils sont à pied? Ouh là là là. J'aurais déjà dû le rattraper depuis un petit moment. Hein. Allez, go. Allez, on détruit le colosse. Voilà. Oula, oula, on se calme. On va faire un petit F6 pour sauvegarder rapidement. Et on s'arrêtera quand on arrivera au bout du chemin. À peu près au bout du chemin, on verra bien. On continue pendant 7 minutes encore. On va faire du 30 minutes encore une fois. Donc j'espère quand même que ce let's play vous plaît. Hein. Il est un... enfin, il est pas vraiment long. Parce que voilà, mais bon. Ouais, pour un jeu qui est sorti un petit moment, et je trouve excellent. Hein. Je trouve excellent. Ça m'énerve ces frises, mais ça doit être mon disque dur qui commence à se faire vieux. Faudrait que j'essaye d'en acheter un, mais ça ne sera pas pour tout de suite, malheureusement. On est déjà au bout. On est déjà au bout, ok, pourquoi pas. Rapide. Ah, c'est ça le canal. Là, le canal, c'est incroyable. Nous n'avons pas le temps d'admirer le paysage, il faut atteindre le relais. Et ces guettes ne vont pas nous faciliter la tâche. Activez les défenses. Saignez la station. Les bras ne bougent pas. Les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle. Faites évacuer le conseil. Baissez, citadelle. Baissez, citadelle. Vous me recevez? Allez, on va rusher jusqu'au canal. Pas d'autre choix que rusher là. Go 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 go. Ah, on est mort. Ok. Bon, bah on reprend. Hein. Faites que ça sauvegarde. Bon. On va arrêter cette vidéo là, j'espère que celle-ci vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je reprendrai au point là-bas. Allez.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZen pour avoir acheté un team HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et bienvenue pour les jeux vidéo.